Hey. Je suis de retour. Environ une demi-heure. Deux jours de taverne. On va aller voir la taverne. C'est la dernière ville avant la frontière, mais la légende prétend qu'il y a une cité magique au-delà d'ici. Vaut mieux faire gaffe par ici, il y a des monstres et des scélérats de toutes sortes ici. Les montagnes Torog sont habitées par les dieux. Avant de partir, il vaut mieux faire la paix avec eux. Ok, on va aller faire la paix avec Dieu au dojo. T'auras subi de dures épreuves pour mater les sept pouvoirs de guerre. Les vrais pouvoirs passent par les six épreuves subies par toi. N'oublie pas que chaque porte doit être ouverte avec une clé. Ou à la Torog Mountain. Maître Zohar, veuillez nous dire ce que vous croyez qu'on va trouver par ici. Les descendants du peuple perdu. Le peuple perdu, pensez-vous vraiment que... Attention, on a de la compagnie. HMVR, c'est ici que tu vas être enterré. Des hommes plus courageux que toi m'ont déjà dit ça. Je vais rougir cette neige de ton sang. On est encerclé. Maître Kane, j'ai des très mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que c'est, Sabina? Mais si j'ai l'empereur. Est arrivé, l'empereur est. Quoi? Mon père est mort? Il aurait été assassiné par des terroristes. Mon père, je ne peux pas le croire. Il faut que j'aille dans la capitale pour tirer ça au clair. Puis je compte sur toi pour régler son compte à H. Avec plaisir. Easy. Pick and battle.
Nice.
taille, c'est plutôt mon sang que j'ai perdu au lieu de... On s'en est bien sorti. Ils ont dit que l'empereur avait été assassiné. Je me demande si c'est Dolph qui est déjà passé à l'action. Qu'est-ce que tu racontes? Dolph attendait le bon moment pour enciver elle. S'il a fait le coup, on n'est pas sorti de l'auberge. Elle aimait le pouvoir, c'est vrai, mais Dolph est fou. Il est amoureux de la mort. J'ai toujours su qu'il était dangereux. Il faut plus que jamais qu'on se dépêche maintenant. Quel charmant petit village. Il m'a l'air plutôt rasoir. C'est le lieu inscrit sur la bague. Dans ce cas, Eleni, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens drôle. C'est la première fois que je viens ici, pourtant. Ah, ok. Fuck, elle vient d'ici. J'ai tout déjà ça, malheureusement. Les visiteurs sont rares, si je vous souhaite un agréable séjour ici. Il n'y a rien à voir dans le coin. Il n'y avait rien du temps de mon grand-père, de mon père et du mien. Il n'y aura sûrement rien non plus du temps de mon fils. Vous pensez que nous sommes un peuple ancien? Eh bien, mon pépé est plus que centenaire. Ça a pas l'air fou, hein? Et t'as pas l'air bien du tout. Je connais ce village. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces rues en pierre, ces maisons. Non, flamme. Ce village va devenir un océan de flammes. Et qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mise à tout à coup délirer. Elle peut se reposer chez moi, c'est pas grave. La schizophrénie. Elle semble plus détendue maintenant. Elle était fatiguée. Merci pour tout. Je m'appelle Ash Lambert. Je suis le chef du village. Appelez-moi Oriosus. Dites-moi, dans quel but êtes-vous venu dans ce village? Eh bien, la vérité est que... Ah, je vois. Mais comme vous voyez, ce n'est qu'un village de montagne. On n'a rien à voir avec les pierres magiques ou le peuple perdu. Vraiment? Chef des monstres, on ramassait des herbes médicinales quand ils nous ont attaqués. Votre petite fille, Lena, est parmi eux. Quoi? On va les sauver. Où c'est exactement? Dans les plaines Tsuke. Tsukue.
au nord-ouest du village. Je viens aussi. T'es sûr? T'inquiète pas, je me sens beaucoup mieux. Surtout que t'es extrêmement cheaté, donc on va pas cracher sur la haine. Plates. On te voit ce que c'est. Et voilà. Lena, ne t'occupe pas de moi, sors du pétrin. Non, tu ne peux pas l'abandonner. Je sais, je vais utiliser le sort que mon papy m'a appris. Esprit de la lumière encercle mon bouclier élémentaire. Et quand même. Une petite fille qui jette un sort si puissant. Wow. On ne sait pas combien de temps ça va durer, il faut se mettre au travail. Wow. Il caste magie obscure du démon plus. Oh, tabarnak, ça a l'air. Ah, ok, ça a l'air d'être permanent en plus. Merci le spammer pour ton follow.
Mais c'est littéralement une machine pour tirer des flèches. La map est un peu bizarre. Bonjour, ça va bien? De bonne humeur. On va se placer ici. Et oui, on peut le toucher. Oui, ça va numéro 1. De bonne humeur. Ben, numéro 1. Je pense que j'ai une genre de grippe musculaire, mais mis à part ça, ça va bien. C'est pas. Ça me gêne pas plus que ça. Mon Dieu, les animations sont tellement longues. De vie. Perfect garde. Et de un débassé. Ah oui, quand même. Allez, un petit level up. Merde, Clint. Bon. Lui, je pense qu'on va le one shot. C'est bien ce que je pensais. Pat-a-pat-a. Je mets cette attaque-là. Ça nettoie pour de vrai. Pense qu'à peu près placé comme ça ici. C'est juste que l'attaque est cool, mais elle est longue, fait que on va écorter un peu. Wow.
My bad. Ah, sti. On va espérer que ça le tue. Ah, sti, ok. C'est quand même assez impressionnant. Oh, attends. J'aime le fait que ce passé d'un arc à une arbalète à une sorte d'arme semi-automatique de flèche. On va laisser. C'est ok. Un peu space, mais ça marche. Pim 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 pim. Le fait qu'il soit lent, c'est extrêmement handicapant. Ouais, non, lui est mort. Ah, nice. Bon. Ah, c'est un mimique. C'est assez facile de se débarrasser, les mimiques. Mais tu te fous de ma colle. Avalanche. Ah non. Bon, ça y est. Mes armées aériennes disparaissent vite, mais c'est des glass cannon. C'est juste pour aller tuer des gros trucs. Vous allez bien? Oui, merci. Retournons au village. Le sort qu'elle dit la jeune fille, seuls les meilleurs de notre profession le connaissent. Vous avez remarqué les marques qu'il y a dans les plaines? Oui, j'ai déjà vu cette marque auparavant. Le chef du village essaie de nous cacher quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, un phénix! Ou un oiseau. Let's go. Comment puis-je vous remercier? Commencez par nous dire la vérité. Quel est le secret de ce village, hein? De quoi parlez-vous? Vous ne pouvez plus nous berner. Aucun enfant normal ne peut jeter de sort de cette puissance. Il a l'emblème gravé dans les plaines. Je l'ai vu sur l'âge de Toba. Et la même marque est inscrite sur votre pendentif. Je vois qu'il est inutile de continuer à vous mentir. Les villageois sont les descendants de l'ancien empire Beruni. Nous étions des sorciers des sages, mais ensuite, notre plus grande réussite a aussi causé notre perte, les flammes du jugement. Exactement ce que je pensais. Reçu, je vous prie de nous prêter votre pouvoir. Oh,
Malheureusement, je ne le peux pas. Ivres de pouvoir, nos ancêtres ont engendré la destruction. Ils ont bloqué le pouvoir qu'ils avaient provoqué par ma garde. Nous n'utiliserons plus ce pouvoir par erreur. Ne seront plus répétés. Nos erreurs ne seront plus répétées. Vous fuyez vos responsabilités. Même si vous avez bloqué le pouvoir, il n'a pas disparu. Si ce sont vraiment vos ancêtres qui ont déchaîné ce pouvoir, il vous incombe de nous débarrasser des dangers qu'ils recèlent. Pas vraiment. Tu peux pas mettre sur la faute des enfants de l'autre qui a fait de quoi. Tu sais, c'est pas parce que, genre, tu peux pas aller voir le grand-père de quelqu'un et dire. Non, mais tu peux pas aller voir quelqu'un et dire oh, ton grand-père, c'était un fou qui tuait tout le monde. C'est ta faute. Mais maintenant, il faut que tu corriges l'erreur. C'est pas de leur faute. C'est un peu con comme logique. Tu peux pas rejeter ça sur la faute de genre ses descendants. Par exemple, tu peux demander son aide. S'il y a des informations, il peut t'y donner. Ok. Mais il y a rien qui l'oblige. Ils nous ont sauvés d'une mort certaine. S'il te plaît, tu dois leur prêter ton pouvoir. Lena, j'ai une idée. On va les tester pour voir s'ils sont honnêtes. S'ils peuvent prendre une griffe à Salamander, le dragon, on verra. Lena, guide-les vers la cave et ne t'implique pas personnellement. Super, je vais être votre guide. Et on va sauvegarder là-dessus. 10. On va arrêter le live. On se retrouve plus tard dans quelques minutes.